Molenbeek-Saint-Jean, commune bruxelloise de près de 94 000 habitants. Une commune à plusieurs visages. Nous sommes au château du Carvet, dans un parc magnifique. Alors le château du Carvet, justement, il y a beaucoup d'activités qui s'y déroulent. D'abord, on peut s'y marier. Il y a aussi les conseils communaux qui se tiennent au château du Carvet et toutes les activités culturelles. En quelques minutes, nous nous retrouvons au centre historique de la commune. Nous sommes sur la place communale, c'est jour de marché et vous voyez que l'ambiance est très différente du calme que l'on connaît dans les nouveaux quartiers de Molenbeek-Saint-Jean. Alors nous sommes ici à la gare de l'Ouest. C'est un lieu important pour les Molenbeekois mais aussi pour les Bruxellois parce qu'il y a beaucoup de passages. C'est un lieu véritablement qui doit être développé à Molenbeek-Saint-Jean et qui est un petit peu aussi le nœud de la fracture sociale qui existe entre les nouveaux quartiers et les anciens. Même si Molenbeek-Saint-Jean est multiforme, multiculturel, je pense que les citoyens, ils ont les mêmes aspirations de respect, de sécurité, de formation et d'encadrement pour les jeunes, de logement, d'emploi. Et donc, on est tous embarqués, sur le même bateau pour réussir Molenbeek.